Scolaire est une école exclusivement centrée sur le petit enfant et qui met en œuvre une pédagogie particulière et qui repose sur des principes fondamentaux. Le petit, séparé pour la première fois de sa famille, a besoin d'une passerelle entre cette famille et l'école. Tout en restant disponible pour une écoute même rapide des mamans, on accueillera donc chaleureusement l'enfant qui arrive pour se joindre au groupe qui se constitue progressivement. L'enfant d'âge préscolaire a des besoins physiologiques, affectifs et intellectuels particuliers. On lui proposera donc un mode de vie qui répond à ses besoins. Les rituels, dates, météo, présents et absents, tout en le sécurisant, lui permettront de structurer le temps. Thank you.
Le comptage des présents fera l'objet d'une activité mathématique ancrée dans le réel. Puis avec le comptage des étiquettes prénoms, on passera du concret à l'abstrait. Après l'effort intellectuel, le chant permettra de ressouder le groupe et le regroupement favorisera la socialisation et la fusion émotionnelle. Je cache mes yeux, je montre mes yeux, je mets mes mains derrière le dos, c'est bien en haut. Il y en a L'enfant d'âge préscolaire se caractérise par son égocentrisme. Pour le socialiser et le rendre autonome, on aura recours à des activités en atelier où la pratique du jeu est indispensable. Deux ateliers sont en autonomie, un atelier est conduit par l'éducatrice. Le bilan sera un moment d'échange et de communication. Aujourd'hui, pas de récréation à cause de la tempête. Il faut néanmoins ménager un moment de repos et offrir un rapide goûter si l'on veut respecter les besoins physiologiques de l'enfant. Les activités physiques nous rappellent qu'en préscolaire, le savoir passe d'abord par le corps. L'éducation islamique réalise l'indispensable ancrage culturel et religieux du futur citoyen marocain. De l'après-midi, des jeux sont mis à la disposition des enfants.
Après le regroupement autour d'un champ, les ateliers de l'après-midi commencent. Aujourd'hui, la journée s'est terminée par un chant, mais elle peut également se terminer par une activité autour de l'album. Dans le préscolaire, il n'y a pas de leçon proprement dite, mais des activités au cours desquelles les savoirs et les compétences se construisent. Au cours de chaque journée, on travaille régulièrement dans les quatre domaines suivants. Les activités de communication et d'expression sont fondamentales. Elles permettent la maîtrise progressive du langage, compétence transversale indispensable pour tous les apprentissages ultérieurs. Elle contribue également à la socialisation de l'enfant. Il n'est pas trop tôt pour apprendre à lire en préscolaire. Il ne s'agit en aucun cas d'un enseignement prématuré du code écrit, mais plutôt d'exercer les compétences nécessaires à l'acte de lire et de ménager des situations authentiques de lecture. Les activités artistiques et esthétiques sont indispensables au développement psychologique, affectif et intellectuel de l'enfant. Elles lui permettent de développer ses capacités de création et d'expression. Elles contribuent ainsi à son plein épanouissement. Les activités scientifiques et techniques ont pour but, d'une part, de mettre l'enfant face à un problème et de lui donner les moyens de le résoudre en fonction de son développement intellectuel, et d'autre part, de lui apporter les premiers éléments de notion qui se construisent tout au long de la scolarité. Je suis
facultés physiques permettent à l'enfant d'exercer sa motricité. Elle lui facilite la prise de conscience de son corps et l'aide à se situer dans l'espace.